toujours les enfants. Je vais vous expliquer le deuxième travail de la journée. C'est de construire des premiers outils pour structurer votre, sa pensée. C'est le 30 grammes des animaux. Donc vous avez ici cette pièce, cette forme que vous allez découper. Et avec ces pièces-là, vous en grammes, vous allez réaliser les modèles suivants. Vous allez réaliser l'éléphant, le lion et la girafe. Et Anna va vous expliquer comment réaliser un lion. Alors, les enfants, maintenant, on doit mettre toutes les pièces à leur place. Comme ce modèle-là, comme vous voyez. Alors, je vais essayer moi-même. C'est un triangle. Bravo! Alors, où je dois mettre le triangle? C'est pour, je crois que c'est là. Non, c'est la place du carré. Alors, j'essaie encore une fois. C'est ici? Oui, ça marche. Et je continue, ainsi de suite. Voilà le deuxième triangle. Est-ce que c'est là? Non. Est-ce que c'est là? Non, c'est trop petit. Alors, c'est ici. Oui, voilà. Je continue. C'est un carré. Bravo. Alors, où est le carré? Ici? Non. Ici? Bravo, non. Alors, c'est là. Je continue. Voilà le petit triangle. Alors, où est sa place? Voilà. Je le tourne. Ça y est? Il me reste 1, 2, 3 pièces. Alors, le triangle en vert. Voilà. Où est sa place? Le dernier triangle. C'est ici? Non. C'est ici? Oui. Et finalement, la dernière pièce. Regardez bien. Est-ce que c'est bien de le mettre comme ça? Non, je le tourne. Mais j'arrive pas à le fixer. Non. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Il n'est pas en bon sens. Alors, je dois l'inverser. Je le colorie en bleu. On ne dépasse pas les limites. Et quand je termine, je le mets à sa place. Et voilà. Maintenant, j'obtiens le lion.